Ok. C'est good. Alors, ben, merci Monique pour l'introduction. Donc aujourd'hui, effectivement, là, ça va être basé essentiellement sur des livres de Mario Beauregard sur la thématique là, de la conscience et de la science post-matérialiste. Alors je vais au départ vous donner le contexte un peu de ces livres-là. Mais il y a trois livres en particulier en 2012, en 2018 puis en 2020 qui ont été publiés sur la vulgarisation scientifique sur les recherches là, qui se font en neurosciences, en psychiatrie et autres, là, dans le domaine là, de ce qui a appelé, là, baptisé la science post-matérialiste. Alors, je vais vous expliquer un peu le contexte et les références là-dessus. Après ça, on va tomber sur les phénomènes reliés à la conscience incompatible avec le matérialisme. Alors, il y a différents phénomènes. Là. Je les ai relevés pour vous à partir de ces livres, mais évidemment, ça serait très long, ça pourrait faire l'objet de dizaines de présentations. Je vais m'attarder sur deux en particulier et une troisième là, que, comme Monique a introduit, là, qui on parlait de quantique. Là, je vais parler d'un cas d'une étude sur un phénomène quantique où la conscience pourrait éventuellement avoir de l'influence. Alors, c'est le troisième cas, le cas de psychokinèse là, qui est indiqué plus bas. Alors, je vais parler de communication avec les défunts et de vie antérieure ou de réincarnation parmi les sujets. Puis, il y aura une petite conclusion à la fin. S'il y a des questions, tout ça, c'est assez chargé, la présentation aujourd'hui. Les copies des présentations pourraient être disponibles pour ceux qui feront la demande. Là, ou c'est la copie PDF avec les liens Internet. Alors, puis, ça sera disponible, évidemment, enregistré pour ceux qui vont visionner. Donc, sans plus tarder, on débute. Alors, le premier livre qui a été utilisé là, pour la présentation, c'est les pouvoirs de la conscience. Alors, ça a été publié en 2012 en anglais à Brain Wars et la version française en 2013. Mario Beauregard était à l'époque, c'est un Québécois là, qui a étudié ici et qui travaillé, je crois que c'était à l'Université de Montréal, dans le Centre de recherche en neuropsychologie et cognition. Et il a quitté en 2013, je crois, là, pour l'Arizona. Et ce livre-là, je l'avais présenté déjà dans plusieurs séances en 2016-2017 là, au Centre de fraternité. Ça, c'est le deuxième livre qui était le plus récent, d'ailleurs, qui est le livre principal que je vais mentionné aujourd'hui, là, que c'est une révision, revue et augmentée du livre précédent. Alors, je vous invite à en faire l'achat, là, c'est disponible par librairie. Là, on peut commander facilement et avoir c'est disponible. Alors, là, Claude, est-ce que tu peux juste augmenter un peu ton volume? C'est un petit peu bas, malgré que on a augmenté. Enfin, moi, j'ai augmenté mon volume, si tu peux juste un peu. Oui, je ne sais pas comment je peux faire. Je vais essayer de parler plus fort. OK. Donc, ça, c'est son dernier livre là, qui est revu et augmenté par rapport à 2013. Alors, par contre, c'est un complément. C'est pas il ne répète pas nécessairement les mêmes choses, les mêmes informations, mais c'est les mêmes thématiques, plus des nouvelles que je vais vous mentionner tout à l'heure. Là, il était rendu à l'Université de l'Arizona aux États-Unis, là. Il est toujours là actuellement, donc depuis, je pense, 2014, là, qui est là avec un groupe que je vais vous en parler. Alors, pour le situer, là, comme il y a beaucoup de choses, je vais lire à l'occasion là, plutôt que juste vous parler comme ça, parce que c'est très condensé, son livre avec plusieurs sujets assez complexes. Alors, je vais lire à l'occasion comme ça. Alors, Mario Beauregard est chercheur en neurosciences et figure au département de psychologie de l'Université de l'Arizona, auteur de plus d'une centaine de publications en neurosciences, psychologie et psychiatrie. Ses travaux ont reçu une couverture médiatique internationale et lui ont valu d'être nommé par le groupe World MediaNet comme l'un des 100 pionniers du 21e siècle. Il a précédemment publié deux ouvrages de vulgarisation scientifique, « Du cerveau à Dieu », Les pouvoirs de la conscience, dont je vous ai parlé. Il y a un roman aussi, Expérientia et les milliards de visages de l'infini, et co-écrit le manifeste pour une science post-matérialiste. Ça, je vais l'aborder brièvement tout à l'heure.
Selon l'approche matérialiste de notre monde, qui imprègne notre mode de pensée depuis déjà plusieurs siècles, notre esprit et tout ce que nous expérimentons de manière subjective ne relèverait que d'activités physiques et chimiques de notre cerveau. Ainsi, nos pensées, notre personnalité et même notre conscience n'auraient d'existence que dans l'étroit périmètre de notre boîte crânienne, le cerveau, autrement dit. Notre conscience ne survivrait pas à notre mort physique. Nos émotions n'auraient aucune influence ni sur la chimie de notre cerveau, ni sur notre santé. Ça, c'est la vision matérialiste. Alors, le docteur Bourgard, neuroscientifique canadien de renommée internationale, démontre dans cet ouvrage que cette doctrine matérialiste est erronée et qu'il est maintenant temps de nous en libérer pour profiter pleinement des pouvoirs de notre conscience. En s'appuyant sur les dernières recherches scientifiques concernant les expériences de mort imminente, la médiumnité, la communication avec les défunts, la réincarnation ou encore les états élargis de conscience, enfin, il y a plusieurs sujets, là, je vous ai abordé ça un peu tout à l'heure, nous révèlent les capacités insoupçonnées qui sommeillent en nous. En effet, nos pensées, nos croyances et nos émotions, en influençant directement nos gènes et notre cerveau, exercent un véritable pouvoir sur notre bien-être et notre santé. Il est tout aussi stupéfiant de constater que dans la réalité quantique, notre esprit peut agir au-delà des limites de notre corps, sans contrainte d'espace ni de temps. Le docteur Beauregard propose un nouveau modèle de la réalité, le paradigme post-matérialiste, qui devrait nous amener à la prochaine grande révolution scientifique, du moins on l'espère. Le troisième livre, en fait, c'est un recueil de plusieurs présentations de collègues là, qui collaborent avec lui là, sur plusieurs scientifiques. Donc, c'est un livre disponible. Il est tout récent. Il vient de sortir au mois d'avril en français. Là, et c'est disponible par librairie. Alors, je vais utiliser certaines informations aussi contenues dans ce livre-là durant la présentation d'aujourd'hui. Alors, quelques définitions. Tout simplement, Mario Bourgard lui-même définit qu'est-ce qu'il entend par conscience et esprit. Alors, je ne vais pas vous lire tout ça ici. Je pense que conscience, on a tous une notion intuitive. Hein, c'est la conscience de soi qu'on existe. Et l'esprit, c'est l'approche dualiste qui est compatible avec l'approche spirit, là, qui est notre esprit, dans le fond, est détaché de notre corps. Alors, si vous voyez l'image à droite, c'est notre esprit n'a pas de substance matérielle connue là, et il communique avec notre cerveau. Notre corps, qui agit un peu comme un émetteur-récepteur, donc qui reçoit de l'esprit la conscience et le cerveau, évidemment, est en contact avec le monde matériel et retourne l'information à l'esprit. Donc, c'est l'approche dualiste, qui est une des approches en science, qui, par rapport à ce qui est moniste, qui est juste la conscience est seulement matérielle et reliée au cerveau. Alors, pour ce qui est du manifeste pour une science post-matérialiste, alors il y a des liens Internet là-dessus qui donnent, parce que ça prend plusieurs pages, là, c'est assez élaboré. Alors, ça a été lors d'un congrès en 2014, là, c'est un groupe de scientifiques qui se sont réunis à ce moment-là, et ils ont eu l'idée de créer un manifeste. Là, il y a près de 400 scientifiques qui l'ont signé actuellement. Alors, si on va sur le site Internet, on peut voir les signataires. L'objectif du sommet qui a eu lieu en 2014, c'était de discuter de l'impact de l'idéologie matérialiste sur la science et l'influence de l'approche ou enfin, du modèle post-matérialiste là, sur la science, la spiritualité et la société. Alors, il y a 18 conclusions là, dans le manifeste, alors qui sont assez élaborées. Alors, je peux vous inviter à en prendre connaissance éventuellement. Alors, j'ai donné ici d'autres liens. Alors, Mario Bourgard a lui-même un site Internet. Alors, on peut le consulter. Et de là, plusieurs liens. Il y a l'Académie for the Advancement of Postmaterialist Sciences en 2017. Ça a été créé en 2017. Alors, le site Internet est là. Et pour ceux qui aiment, comme moi, là, aller aux sources des recherches scientifiques, des publications scientifiques, sont pas toujours accessibles parce que les revues, il faut payer la plupart du temps. Sauf que la plupart des publications scientifiques de ceux qui font des recherches là, en post-matérialisme sont disponibles la plupart du temps. Alors, dans les trois sites que je vous ai donnés là, on peut obtenir la plupart du temps les sources
Alors, quand on voit le livre, par exemple, de Mario Beauregard, il donne les références, puis on peut les retrouver sur Internet pratiquement tout le temps, sauf peut-être dans les exceptions. Là. Donc, pour les phénomènes reliés à la conscience, là, dans l'approche post-matérialiste, il y a plusieurs phénomènes. Alors, aujourd'hui, évidemment, je veux juste vous les nommer vite. Ils ont déjà fait l'objet de présentations au CEF là, dans les années précédentes. Ce qui est en vert et ce qui avait été déjà présenté dans le premier livre de « Le pouvoir de la conscience » et sont repris dans le nouveau livre là, de 2018 de Beauregard, différemment. Mais il a ajouté trois nouveaux sujets. L'épigénétique, qui j'ai mis en noir, c'est que notre conscience, on peut influencer l'expression de nos gènes. Alors, juste pour donner une petite idée, c'est par exemple dans un état méditatif, on peut mesurer l'activité de nos gènes. Il y a des techniques biochimiques qui nous permettent de savoir l'activité de nos gènes. Et par des états méditatifs, on sait qu'on peut changer notre état d'esprit et notre état de bien-être, mais en même temps, on peut changer l'expression de on parle de centaines de gènes, de nos gènes. On peut reprogrammer, modifier l'expression de nos gènes plus ou moins intensément. Alors, des recherches assez récentes là, là-dessus. Donc, il en parle dans son livre de 2018. Il y a plusieurs sujets, bon, placebo, nocebo, médecine psychosomatique, neurofeedback, l'autosuggestion par la méditation et l'hypnose, les perceptions extrasensorielles, hein, il y a plusieurs phénomènes là-dedans, la télépathie, la précognition, la clairvoyance, des fois on l'assimile à la vue à distance, la psychokinésie et la biopsychokinésie, qu'on peut influencer la biologie. Je l'ai souligné parce que dans son livre de 2018, il rajoute beaucoup d'informations. Et aujourd'hui, je vais vous faire part à la fin de la présentation sur un cas quantique d'influence qu'éventuellement notre esprit pourrait influencer l'état quantique des particules atomiques ou des photons. Alors, on va terminer aujourd'hui avec ça. Les expériences de mort imminente, les expériences de sortie hors du corps, ça parle souvent à vue à distance, les expériences mystiques où il y a la nuance là, des expériences spirituelles qu'il amène dans son livre, qui a un chapitre là-dessus qui est assez étoffé. Alors, aujourd'hui, je vais m'attarder sur les communications avec les défunts et le chapitre sur les vies antérieures qui correspond à la notion de réincarnation. Ou pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, ben, ils parlent de super perception extrasensorielle qui pourrait être peut-être une explication de ça. Alors, en bas, j'ai mis en vert ce qui est dans le livre de 2013 et ce qui est en noir, ben, ce qui est vraiment nouveau et revu et augmenté dans son nouveau livre. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec les communications avec les défunts. On parle de le CRD, l'acronyme, là, on va utiliser ça pour simplifier. On parle de CRD lorsque les défunts se manifestent spontanément auprès d'un de leurs proches par un signe visuel, olfactif ou tactile, sans aucune aide ou sollicitation extérieure de la part d'un médium ou tout autre intermédiaire. Donc, c'est direct. C'est la personne qui a l'expérience directe. L'intuition ou la sensation de présence d'un défunt fait aussi partie des CRD. Souvent, au cours de ces expériences, les êtres chers, décédés, donnent l'assurance aux endeuillés qu'ils mènent maintenant une vie heureuse dans un plan d'existence, dans un autre plan d'existence, et cela change souvent leur sens de la vie et de la mort et leurs croyances. Les CRD sont un phénomène assez largement répandu puisque des études réalisées dans quelques pays occidentaux ont révélé qu'environ 30% des personnes questionnées affirmaient avoir eu des contacts avec un défunt. Ça date de 1977. Peut-être qu'aujourd'hui, ça serait supérieur à ça. Alors ici, je donne un exemple là, dans la littérature, il y a beaucoup d'exemples de récits. Alors, je vais vous donner un exemple ici. Alors, l'affaire du testament de James Chaffin constitue un tel cas. Arthur Berger, un avocat de Miami, a enquêté sur cette affaire en 1995. Chaffin était un fermier de Caroline du Nord qui mourut en 1921. 16 ans plus tôt, il avait rédigé un testament par lequel il léguait sa ferme à son fils aîné et rien à sa femme ni à ses trois autres fils. En 1919, James Chaffin décida d'écrire un nouveau testament qu'il rangea entre les pages d'une Bible.
sans en dire mot à personne. Quand ce fermier mourut, c'est le premier testament qui fut validé, celui qui était disponible. Une nuit après son décès, l'un de ses fils s'écartait de l'héritage, le vit apparaître au pied de son lit. L'apparition lui révéla que le Nouveau Testament se trouvait dans la poche de son vieux manteau. Suite à cette apparition, le fils trouva le manteau ainsi qu'un bout de la main de son père cousu à l'intérieur de la poche du manteau. Sur ce papier, Chaffin avait indiqué la référence de la Bible où son fils trouverait le dernier testament. Ce document fut amené au notaire de James Chaffin. Bien que celui-ci trouvât cette histoire pour le moins extraordinaire, il ne put mettre en doute la véracité du récit et le second testament fut à son tour validé. C'est un testament écrit à la main, là, il peut attester la chose. Donc ça, c'est un exemple. Vous avez plein d'exemples comme ça dans ce site Internet là, de l'After-Death Communication Research Foundation qui a été créé par le Dr. Jeffrey Long, là, qui est connu là, pour il a publié plusieurs choses sur des expériences de mort imminente avec son épouse, là, Julie Long. Alors, il y a différents comptes rendus. Son site est même sollicite pour ceux qui veulent ajouter leurs récits, leurs expériences personnelles. C'est disponible. Et on peut. Il y a aussi une version française de ce site-là également qui est rattachée au site original. Maintenant, pour nuance, c'est les communications induites avec les défunts. Alors, on a ici le psychologue clinicien Alan Botkins, qui est coordonnateur de l'Intensive Trauma Program au Centre médical du ministère des Anciens Combattants de Chicago. Il travaille aussi en pratique privée. On peut visiter son site Internet. Il forme des thérapeutes EMDR. Le EMDR, c'est Eyes Movement Desensitization and Reprocessing. Alors, il forme des thérapeutes donc à l'induction de rencontres après la mort. Alors, cette technique-là, EMDR, consiste à demander au patient de faire aller et venir ses yeux suivant un rythme particulier, tout en se concentrant sur un aspect spécifique de son vie. La personne, par exemple, agite avec une fréquence tous les 10-20 secondes, de gauche à droite, et tout en se rappelant d'un souvenir. Évidemment, lui, c'est un thérapeute, c'est souvent des souvenirs traumatiques. Et c'est comme ça qu'il a commencé là, en 1990 avec cette technique-là. Il s'est rendu compte que les gens, des fois, avaient des visions, des communications, racontaient des choses. Alors, c'est comme ça qu'il a, en 1995, introduit le Induced After Death Communication, parce qu'il s'est rendu compte que les gens, des fois, avaient en faisant cette expérience-là avec la technique EMDR, avaient des contacts avec des gens qu'ils connaissaient décédés. Pour donner un peu de. Ça, c'est tiré toujours du livre de Beauregard, là, quand j'ai des extraits comme ça. Alors, subséquemment, Botkin conduit plusieurs milliers de séances d'IADC. Les résultats sont impressionnants puisque la méthode fonctionne dans 70% des cas, et ce, avec des gens de toutes croyances, y compris les athées et les sceptiques. Dans l'état de conscience induit par cette technique, le patient reçoit des informations sous forme de vision et de voix entendues télépathiquement. Et il peut aussi ressentir un contact physique. Fréquemment, les personnes décédées sont remplies d'amour pour les vivants, qu'ils rassurent et encouragent à se consoler. Dans certains cas, les défunts précisent aux vivants qu'ils leur ont pardonné pour certaines choses ou bien qu'ils leur demandent pardon pour des actions posées lors de leur passage sur Terre, qu'ils regrettent à présent. De plus, parfois, le défunt communique aux patients des informations jusque-là ignorées. Par exemple, un avertissement sur une situation à venir, comme un problème de santé. Alors, ils sont en mesure de voir que la personne, dans certains cas, développe des pathologies. Alors, pour ceux qui lisent beaucoup les écrits d'André Louis, peuvent comprendre là, qu'on peut avoir des visions, des fois, sur l'état de santé de nos organes. Alors, je continue. Bien que Botkin refuse de spéculer sur la nature véritable des communications induites par ces méthodes, afin de laisser le patient libre d'interpréter ses expériences sans être influencé par les croyances du thérapeute, il réfute cependant les objections selon lesquelles l'IADC serait des hallucinations. Alors pour lui, ce ne serait pas des hallucinations quand même. La preuve contestable en est que les consultants les décrivent comme complètement
les consultants, enfin, ceux qui consultent, on devrait dire, comme complètement différents de toute autre expérience. Techniquement, les perceptions hallucinatoires sont indépendantes de perceptions sensorielles. Autrement dit, elles sont toutes dans la tête du sujet, sans lien avec la réalité extérieure. Les hallucinations mettent souvent en scène des émotions négatives très différentes d'une personne à l'autre et relèvent de désordres psychologiques importants. Alors que l'IADC implique le plus souvent un contenu positif, semblable d'une personne à l'autre, très bienfaisant psychologiquement. Bon, des fois, le texte est un peu lourd. Là. Vous comprenez que c'est écrit par un spécialiste des neurosciences et des sciences médicales. Alors, des fois, c'est pour ça que je vous fournis les textes. C'est en relisant, puis il faut lire le livre, des fois, pour saisir les nuances. Mais j'ai essayé de vous trouver des extraits qui résument, qui parlent un peu des choses. Maintenant, ce qui est nouveau aussi dans son livre, il introduit les médiums. Évidemment, c'est bien connu là, des spirites. Alors, il fallait attendre près d'un siècle avant que des scientifiques sérieux osent étudier de manière rigoureuse et systématique ce phénomène médiumnique. Deux de ces scientifiques sont Julie Bechtel, cofondatrice de Winbridge Institute, et mon collègue et ami Gary Schwartz, de Beauregard, qui écrit ça, directeur du Laboratory for Advanced in Consciousness and Health de l'Université de l'Arizona. Alors, il y a le site, j'ai fourni le site, le lien avec le site Internet ici. Évidemment, il y a William James, il y a d'autres à la fin du 19e et début du 20e siècle qui se sont intéressés à la chose. Il en parle un peu dans son livre, mais de façon systématique avec des outils modernes, c'est plutôt récent. Alors, je vais vous lire ici l'extrait. Les nombreuses expériences réalisées par Julie Bechtel et Gary Schwartz démontrent que les médiums peuvent recevoir de manière inexpliquée des informations précises et justes sur des personnes décédées dont ils ignorent tout. Alors, ce n'est pas juste des gens qui connaissent. Comment cela est-il possible? Bechtel et Schwartz ont proposé que deux hypothèses puissent rendre compte de leurs résultats. Soit les médiums communiquent véritablement avec des défunts, soit les médiums peuvent lire dans l'esprit des clients qui viennent les consulter par le biais de la clairvoyance ou de la télépathie. La seconde hypothèse implique que les médiums obtiendraient des informations sans vraiment communiquer avec les individus décédés. Cependant, étant donné que les informations livrées par le médium étaient parfois inconnues de la personne qui se prêtait à l'expérience en tant que client, mais que leur véracité était confirmée plus tard, Bechtel et Schwartz pensent que leur résultat étaye l'idée de la survie de la conscience, donc la première approche, ce sera avec les défunts. Selon eux, un aspect de notre personnalité continuerait à exister après la mort physique, sous une forme capable de communiquer avec un médium. Ça a l'air des fois évident pour des non-scientifiques qui peuvent avoir des communications, mais n'oubliez pas qu'un scientifique se doit toujours d'être sceptique et de démontrer hors de tout doute raisonnable. Alors, il faut que ça soit démontré et étayé par des méthodes reconnues par les scientifiques. Alors, une autre thématique de communication avec les défunts, c'est la TCI, la transcommunication instrumentale. Alors, c'est les phénomènes avec l'usage d'objets ou d'instruments pour recevoir un message. Alors, c'est connu, évidemment, les tables tournantes, les coups frappés, les pendules, plein de phénomènes qui datent d'il y a longtemps. Mais de nos jours, on parle à ce moment-là de systèmes d'enregistrement avec un bruit de fond, par exemple un bruit blanc, le « white noise », on entend souvent ce terme-là en anglais, ou encore par une vidéo, alors avec un écran de télévision là, qui n'a pas de canal, là, c'est comme de la neige, un écran avec de la neige, alors, vous savez ce que je veux dire, de télévision, puis on filme à ce moment-là avec une caméra. Un des pionniers là-dedans, c'est Friedrich, je sais prononcer ça, Jorgensen, je vais prononcer comme je le pense, reçoit ses premiers messages là, dans les années là, 1959, c'est un Suédois. Alors, c'est un cinéaste qui était très réputé, il a fait de nombreux films, là, et son mérite a été d'enregistrer, classer, d'archiver les voix, puis d'avoir diffusé ça avec preuve à l'appui. Alors, comme vous voyez par les images, c'est un enregistrement là, magnétoscope là, qui enregistrait là, dans le fond les voix. Alors,
il est décédé en 1987 et il y a des successeurs là, qui utilisaient des techniques similaires. On a eu des communications avec lui par la suite. Alors, je vais vous nommer quelques noms qui ont été ressortis parce que là-dedans, vous allez trouver de toutes les sortes. Hein. C'est comme dans plein de domaines. Il y a des gens plus sérieux que d'autres. Alors, Beauregard va faire un tri là-dedans, là, selon le groupe de scientifiques. Alors, il y aurait Constantin Rodil, qui est un psychologue enseignant, qui lui aussi vient de Suède. Lui, il a fait 70 000 enregistrements à partir d'une radio, c'est un genre TSF. Là. Puis, parmi les constats qu'il a fait, c'est qu'il y a quatre caractéristiques là, générales dans les messages qui est parmi les 70 000 là, qu'il y a. Alors, il y a un rythme différent du langage ordinaire, autrement dit, les gens ne s'expriment pas comme moi je vous parle actuellement, c'est le rythme est différent, la plupart du temps beaucoup plus lent. Extrêmement brièveté du message, un seul mot ou une phrase très courte, non-respect de la syntaxe et parfois un mélange de différentes langues. Alors, c'était ça dans ce. Par contre, il y en a d'autres, des choses beaucoup plus précises que lui, là, mais c'est ce que lui a constaté dans ces années-là avec sa méthode. Dans la fin des années 60, et il est encore vivant, Marcello Bacchi a régulièrement reçu des voix de paranormal en plusieurs langues. Dans son laboratoire de Grosseto en Italie. Pendant 35 ans, il faisait des séances publiques là, avec un vieil appareil radio, comme vous voyez là, sur l'image. Et il mettait ça sur du bruit blanc là, sur sa radio, en tout cas. Puis, comme ça, il obtenait des messages de parents ayant eu un fils ou une fille décédée, puis pour entendre les voix de leurs enfants décédés. Ils se consacraient surtout à ce genre de communication-là, d'enregistrement. Et il y aurait gardé des enregistrements de ça. Donc, il y a un autre, Sarah Wilson Costet, de 1916 à 1990, qui elle est plus qui a aussi fait des enregistrements radiophoniques. Puis elle a fondé là, l'American Association of Electronic Voice Phenomena of Maryland. Mais je ne l'ai pas trouvé sur Internet. Je ne sais pas là, si vraiment que ça existe pour en tout cas. Je n'ai pas trouvé le lien sur Internet concernant cette association-là. Donc, je vous résume ici. En rapport avec la vraie vie, je présente ci-dessous un résumé. Ça, c'est Mario Beauregard. Des informations contenues dans les messages les plus clairs reçus par Sarah Estelle. Les relations familiales peuvent se poursuivre si cela est souhaité. Pour ce faire, les enseignants instruisent ceux qui veulent communiquer avec la Terre. Cependant, les appels fréquents de ceux demeurés sur Terre fatiguent les défunts. Alors, donc, c'est un peu la conclusion, c'est qu'il ne faudrait pas trop déranger nos défunts dans certains endroits. Ça semble fréquent. Dans l'au-delà, les défunts mènent des vies actives et productives. Et ils peuvent poursuivre les mêmes activités que sur Terre, les sciences, les arts, etc. Leur fonction est celle qui convient le mieux à leurs aptitudes et à leur caractère. Les défunts ont la possibilité de visiter plusieurs endroits dans l'au-delà avant de choisir l'un d'eux. Ils vivent dans des maisons. Alors, pour ceux qui ont lu le nom sur l'art, vous voyez des ressemblances. Des médecins et des infirmières y aident ceux qui en ont besoin. Certains défunts continuent à adorer Dieu et peuvent appartenir à une église. Alors ça, c'est des constats en particulier qu'a fait cette dame-là, Mme Estelle. Un autre cas que Mario Beauregard souligne, là, c'est Klaus Schreiber, qui pendant quelques années, là, de 84, il est décédé en 88. Donc, lui a fait des enregistrements de télévision. C'est le premier là, qui a fait ça. Alors, qui par rapport aux autres qui précèdent, là, qui étaient surtout de la radio ou des magnétoscopes, là, des enregistrements audio. Il a comme eu de filmer sa fille, en fait, comme Karine décédée, elle a 18 ans. Alors, puis il a aussi par la suite, au début, là, en 84, vu son père, sa mère, sa femme, ce qui était décédé. Alors, lui, ce que résume un peu Beauregard là-dessus, c'est que Klaus Schreiber n'est pas le seul chercheur en TCI à se manifester à ses collègues toujours physiquement vivants.
Effectivement, Friedrich Jorgensen, Constantin Rodig et d'autres pionniers décédés sont entrés assez souvent en communication avec des chercheurs en TCI en utilisant différents moyens. Par exemple, l'Américain Mark Macy, qui a participé à la création du réseau international pour la transcommunication instrumentale, alors l'International Network for Instrumental Transcommunication. Alors, Rodig révéla à Macy, ainsi qu'à d'autres collègues, que depuis son décès, il continuait de travailler activement au développement du système de TCI depuis l'autre côté du voile. Il leur dit aussi ce qui suit. Là, je vous souligne ça. La TCI fonctionne uniquement si les vibrations de ceux qui assistent aux séances sont en parfaite harmonie et si leurs intentions sont pures. C'est quelque chose, d'ailleurs, que Morgan et ses chercheurs là, qui sont avec lui insistent beaucoup de prendre des gens qui ont certaines caractéristiques là, pour que les expériences de communication ou de phénomènes, là, même quantiques, fonctionnent. Ça prend certaines caractéristiques. Ce n'est pas n'importe qui comme ça là, qui peut faire les choses. Et dans les communications de TCI, ben, peut-être que le Centre Spirit, la fraternité, pourra peut-être essayer de se lancer là-dedans. Ils ont sûrement des contacts qui sont habitués de faire des contacts, peut-être qu'avec soit un téléviseur ou radio, pourrait peut-être arriver à avoir certaines communications. Et, on avait fait ça il y a quelques années, mais pas dans le local où on est, dans le local qui était sur Sainte-Catherine. Je ne sais pas si tu te souviens de ce local-là, Claude. Non, pas là, ça, je suis avec d'après. Avec Roberto, Alexis, tout ça, mais oh, c'est pas évident à faire. Il faut vraiment avoir une. Bah, nous, on faisait sur une radio, là. Ouais. Mais on a fait ça pendant plusieurs mois, mais ça n'a pas donné grand-chose, il faut dire. C'est assez long. Ouais, je vous avoue, moi, j'étais très sceptique à ces choses-là. Mais comme Beauregard en parle assez abondamment, finalement, je donne des références, je vous dis, bon, il doit y avoir quelques cas documenté, puis comme il s'est souligné ici, c'est que ça ne marche pas de toutes les façons. Ça prend certaines conditions, en tout cas, il mentionne ici quelques-unes pour que ça fonctionne. D'ailleurs, il y en a des milliers qui essayent des TCI, il y en a très peu qui semblent que ça fonctionne. Alors, c'est un peu comme les médiums, hein. Il y en a qui sont des médiums qui fonctionnent de façon assez surprenante, et d'autres moins. Alors, probablement que la collaboration, parce que ça prend la collaboration de l'autre côté, dans ce cas-là, si on prend l'hypothèse que c'est vrai, probablement que c'est pas dans tous les cas qui se branchent. Alors, ça, c'est Mark Macy, là, c'est son site Internet. Alors, il y a plusieurs exemples. Alors, vous voyez en bas des images, là, qui est un exemple là, de prendre des photos lors d'une sur un écran de télévision. À gauche, c'était une des photos qui a été prise sur un écran de télévision, en bas à gauche. À droite, c'est sur un ordinateur qu'il y aurait eu. Alors, c'est sûr que les sceptiques peuvent facilement dire là-dedans, c'est toutes des choses arrangées. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça que ça prend des recherches aussi plus structurées, mais ça fait partie des phénomènes qui, on peut difficilement croire que c'est que des faussaires. Alors, c'est comme les tables tournantes, tout ça. On sait que ça peut exister aujourd'hui, mais c'est des phénomènes quand même occasionnels. Mais bref, c'est un champ d'investigation. Alors, parmi les chercheurs qui sont crédibles là-dedans, alors M. Schwartz, un des collaborateurs de Mario Beauregard, qui a une technique là, que sur Internet, on peut voir en 2006, là, il a fait son livre L'extraordinaire contact avec l'au-delà. C'est une technique d'une chambre noire avec un détecteur très, très sensible qui peut détecter des lumières que même l'œil humain ne peut pas détecter. Là. Alors, il y aurait eu, avec certaines collaborations, toujours avec des défunts, hein, invités à se manifester, aurait pu produire un peu de lumière, de faible lumière dans ces chambres noires-là. Mais dernièrement, ce qui développe, c'est la méthode que vous voyez en bas, là, c'est les boules à plasma, les lampes de plasma, qui, au contact du doigt, là, tout ça, fait un arc électrique. Et il y a un protocole là-dessus, et il y a une publication qui a été faite là-dessus. Et
j'en parle ici. Je vous fais grâce ici de la partie un peu technique. C'est que dans le livre, celui de 2022, là, que je vous ai parlé au début, il y a un protocole. Si on voulait se lancer là-dedans, ça coûte à peu près 4 000 $ là, avec ordinateur, la boule de plasma et tout. Et il invite les gens, dans le fond, à suivre un protocole, communiquer avec eux, puis participer aux expériences avec eux. Donc, ça ici, je vous fais grâce de la lecture. Là, c'est que lui, il a publié différents essais là, sur des milliers de sessions expérimentales et les probabilités, en tout cas, c'est, statistiquement, c'est très significatif. Là, comme vous voyez, le P à 1/10 000e, alors c'est, en statistique, c'est très significatif. Puis quand on fait un contrôle, bien, quand c'est 0,5, là, vous voyez le chiffre, 0,533, bien, ça, c'est une chance sur deux. On va dire, bien, c'est ça normalement qu'on s'attend d'avoir quand c'est un phénomène purement au hasard. Mais quand ça arrive à une chance sur 10 000, bien, c'est très significatif. Donc, c'est des techniques qu'on essaie d'utiliser, c'est toujours en TCI, là, c'est une approche de communication instrumentale, d'essayer d'avoir des communications et de prouver que ça existe. Alors, il y en a qui vont dire que ce serait plus facile de peut-être avec des médiums et autres, là, mais vous comprenez que la science documente par différents moyens. Alors, la conclusion de Mario Beauregard sur les phénomènes de transcommunication instrumentale. Alors, selon moi, l'explication de la TCI la plus plausible et respectueuse du principe du rasoir d'Occam. Le principe du rasoir d'Occam, c'est aussi, on appelle ça aussi le principe de simplicité. Si une hypothèse qui est simple, si une hypothèse simple dit, bon, pour expliquer tel phénomène, je pense que c'est, que je parle effectivement avec un esprit décédé, bien, c'est facile comme hypothèse. Bien, c'est souvent ce type d'hypothèse-là simple qui a de bonnes chances ou les meilleures chances d'être vrai. Alors, c'est ça le rasoir d'Occam ou le principe de simplicité d'Occam qui existe depuis les années 1500, en passant, 1400. Alors, donc, le principe du rasoir d'Occam est que la conscience et la personnalité des défunts continuent après la mort du corps physique. Cela ne veut pas dire que les images obtenues en TCI constituent des répliques exactes d'individus décédés ou d'édifices se trouvant dans un quelconque plan d'existence. Je pense plutôt que les voix et les images reçues sont le produit d'une transduction d'informations. Bon, transduction, ça veut dire c'est la conversion d'une information qui serait dans le milieu de l'au-delà et convertie dans une télévision ou dans une radio. Alors, c'est un terme un peu technique, là, mais c'est un mot qui résume ce qu'il veut dire, transduction d'informations d'un milieu à un autre, qui sont acheminées par l'énergie associée à l'activité mentale des défunts. Si cela est exact, les voix ou les images enregistrées constitueraient le dernier relais dans ce processus de transduction informationnelle. Dans le dernier chapitre de ce livre, je reviendrai sur ce processus et la question de l'énergie. Bon, alors, c'est un livre là, qui est costaud, hein, qui n'est pas très épais, là, qui fait 200 quelques pages, qui se lit quand même bien, mais on ne peut pas lire ça comme un roman. Alors, il faut des fois relire des choses, mais c'est très intéressant. Moi, évidemment, je suis fan des sciences et tout ça. Alors, ça a été un plaisir de le relire. Là. C'est très instructif. Maintenant, un autre phénomène, c'est ce qu'on appelle les vies antérieures. Les chercheurs là-dedans ne vont pas parler nécessairement de réincarnation parce qu'il y a différentes hypothèses, dont celle de la réincarnation, j'en ai une, qui est vraiment celle qui explique simplement le phénomène. Alors, il y a Ian Stevenson, je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui doivent le connaître. Là. Il a fait des recherches pendant de la fin des années 60 jusqu'à sa mort en 2007. Il a publié là, des centaines d'articles, il y a des livres aussi qui ont été publiés. Il est décédé en 2007. Il y a un autre docteur, là, le Jim Tucker, B. Tucker, qui a continué ses recherches. Et ils sont toujours là, dans le fond, ce qu'ils font essentiellement, c'est avec d'autres collaborateurs aussi. Ils vont aller relever, par exemple, c'est des personnes qui communiquent avec eux pour leur dire, bon, mon enfant me raconte des affaires un peu bizarres.
Et eux, ils vont rencontrer ces gens et l'enfant, et ils vont l'interviewer, ils vont même investiguer ce que l'enfant dit pour aller vérifier les choses. Des fois, c'est des choses rétrospectives. Hein? Ce n'est pas toujours sur le coup vivant, mais parmi les 2500, il y en a, je pense, 200 à peu près, qui ont pu vraiment vérifier, puis que ce n'est pas quelque chose qui a été raconté il y a 5 ans, par exemple. Puis là, on voit l'enfant, puis l'enfant ne s'en rappelle plus. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'après l'âge de 7-8 ans, la plupart, la grande majorité, ne se rappelle plus, ou c'est comme un rêve ce qu'il a pu raconter plus jeune. C'est comme si le voile, là, justement, des mémoires de la vie antérieure s'évapore ou se disconnecte de l'incarnation présente. Donc, sur les 2500 cas, il y a quand même une centaine qui sont très documentées, très frappantes. Il y a des livres là-dessus, j'en ai quelques-uns. Alors, il donne quelques exemples dans son livre, Beauregard. Et je vais donner un cas ici. Pour résumer, ça c'est de Beauregard. Les affirmations des enfants constituent la matière principale des cas examinés par les chercheurs. Les enfants font des affirmations très jeunes. La plupart des enfants font ces affirmations alors qu'ils ont entre 2 et 4 ans. Ils cessent habituellement de parler de leur vie antérieure vers l'âge de 6 ou 7 ans. Bon nombre de ces enfants ont des comportements et émotions qui semblent associés aux mémoires des vies antérieures qu'ils rapportent. Par exemple, parfois les enfants pleurent et supplient leurs parents de les conduire auprès de leurs anciennes familles. Nombreux sont les enfants qui développent des phobies semblant directement relié à la manière dont la personne antérieure est décédée. Alors, la personne qui est décédée avait ces peurs-là, c'était connu des gens qu'elle côtoyait, puis l'enfant a les mêmes phobies. De plus, certains enfants rejouent constamment la scène du décès de la personne antérieure. Et lorsque cet individu a été assassiné, les enfants peuvent ressentir beaucoup de colère envers les meurtriers. Par ailleurs, il y a des enfants qui aiment particulièrement les aliments préférés de la personne antérieure, ainsi que le tabac ou l'alcool. En outre, il arrive fréquemment que lorsque la famille de l'enfant le conduit là où il habitait, où habitait la personne antérieure, celui-ci semble reconnaître des membres de la famille du défunt, de même que des endroits associés à sa vie antérieure. D'autre part, plusieurs des cas étudiés par Stevenson et Tucker sont venus au monde avec des taches de naissance ou des anomalies congénitales correspondant aux blessures généralement mortelles, se trouvant sur le corps de la personne antérieure. Alors, ça, il y a une publication qui a été faite par Stevenson là-dessus, là, puis c'est une brique qui s'adresse à des spécialistes. Là, c'est difficile à avoir une copie de ça, où c'est patent. Là, on voit vraiment des signes qui correspondent à des taches, même des déformations. Dans d'autres cas, les enfants rapportent des expériences survenant lors d'un intervalle entre la mort et la réincarnation. Par exemple, un garçon du nom de Lee s'est souvenu qu'il avait décidé de renaître à un moment donné. Il a aussi affirmé avoir été assisté par d'autres êtres dans sa décision de se réincarner sur Terre. Donc, ça correspond un peu à ce qu'on entend aussi chez les spirites, là. Sauf que vous, scientifiques, vous comprenez que c'est documenté de façon avec une enquête et quasiment judiciaire, là, et on essaie de corroborer le plus possible les choses. Alors, c'est la différence que les gens racontent, parce que n'importe qui, vous et moi, on peut raconter n'importe quoi, mais pas facile, hein? Alors, ça prend souvent des façons de faire pour s'assurer qu'on a vérifié autant que possible que les personnes qui racontent ça ne pouvaient pas être en contact. On ne pouvait pas savoir autrement que peut-être justement de l'avoir vécu dans une vie antérieure. Là, il y a une section sur l'hypnose. En fin de compte, déjà en 2013, Beauregard est un peu sceptique là-dessus. Il en parle un peu dans son livre quand même, sauf que je vous résume un peu ce qu'il en pense, là, ou d'autres là aussi sur le sujet, sans mettre de côté complètement l'approche là, de régression, là, qu'on entend souvent parler, il y a quand même des mises en garde là-dessus. Alors je lis, là, les hypnothérapeutes qui cherchent la source des problèmes de leurs patients investiguent leur passé à l'aide de la régression en ange.
Cette approche vise à identifier les événements anciens qui sont à l'origine des problématiques, par exemple phobie particulière, dépendance, symptômes psychosomatiques, vécus par les patients. Parfois, l'inconscient des patients produit des images et évoque des réactions émotionnelles qui semblent référer à des événements n'appartenant pas à la vie actuelle de ces patients. Les thérapeutes utilisant l'hypnose ne peuvent évidemment pas déterminer avec certitude si les contenus qui émergent alors à la conscience des patients constituent une expression symbolique de la psyché, comme un rêve ou une rêverie éveillée, ou bien représentent des épisodes reliés à une ou des vies antérieures. Effectivement, il n'est pas possible de distinguer entre ce qui provient des traces mnésiques réelles de mémoire mnésique ou des capacités de l'esprit à reconstituer notre mémoire autobiographique, la mémoire des événements vécus avec leur contexte, et la capacité mentale à générer de fausses mémoires et des contenus purement imaginaires. C'est pourquoi bon nombre de psychothérapeutes se méfient de l'hypnose. Quoi qu'il en soit, l'hypnose de régression amène souvent la résolution des problèmes des patients, et ce, de manière rapide et efficace. Par ailleurs, dans certains cas, l'exploration des vies passées permet de retrouver des détails précis et de remonter à des personnages possédant une réalité historique. Donc, c'est un petit peu ça résume un peu de ce qu'il en pense. Alors, la conclusion sur la thématique, là, sur la thématique des vies antérieures, de mon regard, il n'y a pas encore de théorie permettant de comprendre tous les aspects associés à la réincarnation. Cependant, l'hypothèse la plus parcimonieuse afin d'expliquer les découvertes des chercheurs dans ce domaine est que l'esprit et la conscience ne sont pas confinés au cerveau. Ils existeraient avant notre naissance et se prolongeraient après notre mort. De ce croix, l'esprit et la conscience pourraient s'attacher successivement à divers véhicules, le corps physique, et apporter des mémoires, des émotions, voire dans certains cas des traumas, des blessures, des séquelles psychologiques. Selon cette perspective, l'enfant s'identifierait à la personne antérieure, car auparavant, il ne faisait que, comme pour les mémoires, les comportements, goûts et préférences, attachements et dépendances, et même des blessures physiques, seraient transmis par la conscience ayant survécu au décès à l'être débutant une nouvelle vie, une nouvelle incarnation. Donc ça, on vient de voir les deux principales sections là, sur la communication avec les défunts et puis les cas de réincarnation. Là, je vais tomber sur un cas qu'on a déjà mentionné là, lors de présentation au CEF. J'ai pris un qui semble un des plus patents. Là. Alors, j'ai fouillé la littérature, j'ai lu les articles là-dessus. Alors, je vous résume un peu. Le phénomène, d'abord, vous résumez le phénomène, comment ça fonctionne. Alors, c'est un cas de micro-psychokinèse. Micro parce que c'est un phénomène au niveau vraiment microscopique. Alors, c'est est-ce que le comportement onde-particule de la matière, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, onde-corpuscule ou onde-particule, là, que la matière au niveau atomique là, semble se comporter de deux façons, comme une particule et aussi comme une onde électromagnétique. Là. Alors, il y a des expériences qui ont démontré ce phénomène-là. Alors, je vous présente un petit peu la chose rapidement. Là. Je vais essayer de l'illustrer là, autant que possible. Donc, si vous regardez l'image à gauche, en bas, là, vous voyez lambda, là, le genre de petit Y à l'envers. Là, c'est la longueur d'onde. Alors, par exemple, la lumière rouge, celle qui est souvent utilisée là, dans les expériences, à 630 nanomètres. Hein, ça, c'est un milliardième de mètre. Si vous préférez, c'est 6-10 millièmes de millimètre. Alors, c'est petit. C'est les lasers souvent qui produisent cette lumière-là. Donc, c'est une longueur d'onde très précise. Entre chaque pic d'onde, donc, il y a une distance de 630 nanomètres. Alors, quand ça frappe un mur, mais il y a deux petits trous dans ce mur-là. Les trous ne doivent pas être très gros non plus. Donc, on parle à peu près de la même dimension que la longueur d'onde, dans l'exemple qu'il y a ici. La distance entre les deux fentes est à peu près de 10 fois plus grande que
la longueur d'onde. Alors, ça vous donne un exemple typique là, de l'expérience. Vous voyez qu'on est dans des petites dimensions. Et à droite, vous voyez là que l'onde frappe l'écran. Il y a deux petits trous. C'est comme s'il y avait comme deux sources. Il y a une partie de l'onde qui passe dans les trous. Et les deux ondes se repropagent vers la droite. Et vous voyez qu'ils se croisent, là, ils se superposent l'une sur l'autre. Puis là, on voit en rouge, quand ils se superposent, ça fait en rouge. Et quand elles s'annulent, ça devient noir. J'ai mis à droite une image réelle d'une expérience comme ça, parce qu'à gauche, c'est comme un dessin. Alors, vous voyez que les branches claires de lumière, là, c'est qu'à ce moment-là, les ondes s'additionnent, mais ils s'annulent entre les deux. Alors, c'est un phénomène. Alors, on appelle ça une interférence, un pattern d'interférence. Typique, quand deux sources lumineuses d'une fréquence très précise, là, comme ici, c'est 630 nanomètres, lumière rouge, se superposent, ben ça fait ce genre de phénomène-là sur un écran. Donc, ça, c'est le comportement de la lumière ou même des électrons, en fait, quand on a la chose. Sauf que si on refait l'expérience, puis on peut fabriquer là, des genres de petits canons, là, des tirs, des micro-billes là, de quelques micromètres de grosseur, puis on les lance à travers deux fentes un peu de la même façon. Alors, vous voyez ici, là, j'ai ma main, là, vous voyez sur l'écran, je ne sais pas si vous voyez, là, ma main ici, vous voyez, ça, c'est le canon qui lance vers les deux fentes ici. Puis, vous voyez les billes qui ont réussi à passer dans les deux fentes. Qu'est-ce qu'ils forment ici, derrière? Alors, ça ne ressemble pas du tout à ici, là, ce genre de patron-là, qui a des bandes séparées. C'est tout simplement une zone là, où il y en a beaucoup, puis là, ça s'étale selon, là, des fois, ça rebondit sur le bord des fentes, là, puis ça sera de gauche à droite. Donc, vous voyez ici, là, ça, c'est le comportement des particules, des corpuscules, comme des billes. Là. Ça, c'est le comportement des billes. Donc, on peut, au niveau expérimental, parce que vous avez déjà entendu parler des photons, des électrons, on dit que c'est des particules, c'est comme des petites billes. Hein? Alors, donc, ils disent, ben, on peut arriver à émettre un photon à la fois. Hein, c'est un laser là, qui est très, très petit. Mais ils savent que je peux émettre un photon, par exemple, à tous les dixièmes de seconde. J'ai un photon qui est émis, puis il passe dans mes deux fentes, puis ça arrive sur l'écran. Là, vous voyez ici, ça, c'est les premiers. Là, vous en avez sept ici. Là, bon, là, c'est les sept premiers photons, sept, huit, qui sont allés sur l'écran. Là, ici, il y en a plusieurs milliers. Ça a l'air un petit peu tout mélangé. Ici, là, vous en avez peut-être un million. Bien, encore là, ça a l'air, on vous devine un petit peu là, de séparation. Mais, surprise, quand ça fait des millions, des millions, bien, on retrouve les fameuses bandes ici. Bien, comment ça se fait? Ils sont passés un par un. Ça aurait dû faire comme ici, un nuage étalé, parce qu'ils se sont dit, les particules vont. Là, c'est de là qu'est venue l'expérience de Young. Ben, ils se sont dit, ben voyons donc, comment expliquer cette affaire-là? Alors, toute l'histoire quantique est basée sur, entre autres, sur le fait que on des particules, c'est des propriétés qui sont associées à la lumière, aux électrons, même les atomes. Puis là, on est rendu à montrer que des molécules pourraient se comporter un peu comme ça. Alors, comment expliquer ça? J'ai trouvé une explication intéressante ici, qui correspond un peu à ma compréhension aussi des choses. Alors, vous voyez ici en bas, là, l'image à gauche, là, ma main, là, ça se promène. C'est qu'en fait, l'électron ou le photon qui arrive là, face à deux fentes ici, c'est qu'en fait, oui, il se déplace de gauche à droite à la vitesse de la lumière ou si c'est un électron à une certaine grande vitesse, là, mais dans le cas d'un photon, c'est à la vitesse de la lumière. Sauf que le photon, l'électron, il se promène sur lui-même aussi. Il n'est pas en ligne droite seulement, une vitesse radiale, comme on dit, de gauche à droite, mais il est comme aussi en interférence, en mouvement perpétuel dans une zone. On dit une zone de probabilité de présence. Alors ça, c'est puis on a photographié aujourd'hui avec des techniques des atomes, puis on a vu effectivement qu'ils se comportent selon
les probabilités. La théorie est confirmée par des observations. Donc, il semble être localisé, on ne sait pas où, dans cette zone-là. Quand il passe ici dans les fentes, ben, comme il semble avoir toujours un comportement dont des particules, c'est qu'il va se disperser selon des distances, selon la probabilité. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'image, comme ici le petit point là, qu'on voit, ben, il y en a un moment donné, qui a passé par là. Puis il y en a un qui passe par là, puis l'autre par là. Puis, à force d'en faire, bien, il finit par refaire les bandes ici. Puis c'est selon la probabilité qu'il se trouvait en haut, en bas ou dans le milieu. Puis vous voyez aussi que ça peut réfléchir là, dans le sens contraire. Et c'est ça l'explication, c'est que les photons, les électrons, puis même les atomes, en fait, vibrent à très, très haute vitesse et tout ça dans une zone beaucoup plus grande qu'ils ont physiquement. Parce que physiquement, finalement, quand ils frappent ici un écran, bien, on voit qu'ils ont une zone très limitée. Alors qu'en réalité, ils peuvent avoir une dimension beaucoup plus grande, finalement. Et ça serait une explication du phénomène quantique, là, donc ondes particules. Et maintenant, pour en arriver à notre expérience de la conscience, alors, mais ça se fait en physique aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe si on essaie de mesurer, là, ici, vous voyez là, ma main, avant qu'il frappe la fente ici, je veux savoir quand est-ce qu'il parle. Est-ce qu'il a passé? Donc, il y a des techniques de mesure, soit des champs électriques ou en émettant une lumière pour les électrons. Par exemple, essayer de savoir est-ce qu'il passe par là ou par là. J'essaie de mesurer là, s'il passe par là. Mais quand je fais ça, avec des techniques scientifiques, ben, j'en viens à mon image des microbilles. C'est que le fait de l'avoir touché ou d'avoir observé ici avec un instrument de mesure, le champ électrique ou un photon, c'est que l'électron s'est pouf, comme mis en particule, petite particule, pour faire ça, un point. Oups. Donc, avant, juste avant là, ça, donc, on est revenu comme à des phénomènes de microbilles. Alors, c'est de là qu'est bien le principe de l'observateur. Ce n'est pas l'observateur avec un œil, là. C'est un observateur avec un instrument de mesure. C'est que, aussitôt que j'essaie de savoir si l'électron ou le photon passe, ou même l'atome d'hydrogène ou le proton, tu sais, c'est au niveau atomique. Alors, j'essaie de savoir s'il passe, bien, je le fais tout de suite convertir comme une particule à ce moment-là. Il n'y a plus ce comportement-là de se promener sur lui-même. Là. Il devient comme figé, puis là, il passe à travers la fente. Donc, il aurait fait le phénomène comme on a vu avec les microbes. Donc, c'est ça. Donc, M. Radin et d'autres collaborateurs on se dit, ben, on va essayer de voir si nos personnes, les participants, peuvent arriver consciemment à influencer ça avant que l'électron ou le photon fait comme l'expérience que je viens de vous parler. Alors, en 2012, 2013, alors, avec une équipe, là je vais vous lire ce qui est souligné, là, les participants ont concentré leur attention sur un système optique à double fente et nous avons déterminé si le motif d'interférence était affecté par rapport à des périodes où ils ne concentraient pas leur attention sur le système. Les données ont été recueillies auprès de 25 personnes. Alors, c'est des personnes, pas vous et moi comme ça, là, sélectionnées pour l'expérience. C'était des gens qui faisaient de la méditation depuis de nombreuses années, puis ils avaient participé aussi à des expériences similaires. Autrement dit, ils ont fait des essais, puis ils ont vu qu'il y avait des personnes qui avaient une certaine influence, et ils ont retenu ces gens-là. Donc, on appelle ça des participants talentueux, là, talented participants. Alors, des gens qui avaient quand même été sélectionnés pour certaines capacités. Là, donc, ils savaient qu'il y avait une certaine influence. Alors, ça dure une demi-heure. Alors, chaque personne répétait le test 10 fois pour 250 séances. Bon. Alors, ils ont d'abord pas eu de résultats positifs. Sauf, ça ici, c'est tiré de c'est l'article original, là, c'est le résumé fait par des chercheurs.
Puis, surprise, ils l'ont fait en anglais et en français. Alors, je vous ai copié-collé le résumé de l'expérience. Ça pour vous dire qu'on a encore des probabilités. Vous voyez le P ici, là, à 3 dix millièmes. Bon, c'est assez technique. Malheureusement, c'est difficile. Je ne vous ai rien montré parce que c'est des graphiques, des affaires. Un scientifique, là, puis même moi, là, je vais vous dire que ce n'était pas facile à comprendre. Je suis familier avec bien des affaires. Il aurait pu mettre en valeur un peu plus le résultat avec un peu de visuel. Pour vous résumer, c'est que les patrons d'interférence, un peu comme ça ici, là, ben, soit qu'ils étaient plus ou moins intenses, plus ou moins bien séparés. Vous voyez, là, ici, c'est bien séparé, ben, c'est quand même pas très bien séparé, mais c'était peut-être moins bien séparé parce que là, la particule faisait comme un plus grand mélange. Alors, vous voyez, c'est subtil. Puis, on ne vous parle pas visuellement, c'était quasiment pas possible de voir parce qu'il parle juste de 3-4% de l'intensité lumineuse ou de la séparation qui était affectée. Donc, ce n'est pas des choses super évidentes, ce n'est pas des instruments là, pour prouver ça. Alors, ça ressemble beaucoup à la télépathie et à d'autres phénomènes semblables. C'est qu'on arrive à des phénomènes comme la télépathie, mais ça ne marche pas à tous les coups. Hein, ce n'est pas 100% de réussite. Alors, ça prend des approches, autrement dit, oui, des gens même sélectionnés qui ont peut-être plus que la moyenne des gens ont la capacité de visualiser, d'influencer, visualiser, par exemple, de voir la lumière arriver sur l'écran puis voulaient l'influencer. Sinon, influencer un sur 100, quelque chose de genre. Donc, ce n'est pas beaucoup. Mais avec des méthodes de techniques de mesure, on peut arriver à voir assez bien quand même des choses. Mais vous voyez la conclusion, des études futures utilisant les mêmes protocoles, les mêmes méthodes analytiques seront nécessaires pour déterminer si ces résultats exploratoires sont idiosyncratiques, ça veut dire le hasard, autrement dit, c'est purement les probabilités statistiques, ou reflète une véritable influence psychophysique de sujets humains sur le système quantique. Donc, oui, l'histoire que l'observateur peut influencer au niveau quantique, peut-être, mais ce n'est pas encore prouvé suffisamment. Alors, ça va prendre d'autres études. Vous voyez comment c'est long. 2012-2013, ils ont pris du temps avant de publier, ils expliquent ça dans leur article. Il y a eu d'autres expériences sont en cours, mais s'ils ont bien travaillé, ben, ça devrait se démontrer, mais peut-être ça va prendre 10 ans encore. Il ne faut pas oublier qu'en science, que des faits extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. C'est quelque chose. Si on démontre ça, on est vraiment. Là, c'est la communauté scientifique qui va être obligée d'y croire. Ce n'est pas juste des gens qui sont sympathiques à l'idée. Donc, comme conclusion, là, c'est M. Schwartz, là, Gary Schwartz, j'ai aimé ça un petit peu. Je vais vous montrer un peu la situation dans laquelle en science, on suppose. J'ai bien aimé un peu la façon qu'il présentait ça. Comment pouvons-nous discerner si une personne réagit comme un vrai sceptique, ça veut dire un scientifique, ou un pseudo-sceptique? Voici 5 indications. Les vrais sceptiques se concentrent principalement sur les théories et les preuves, les messages. Et les pseudo-sceptiques sur l'individu, le messager. Alors, celui, autrement dit, ils vont essayer de détruire la réputation de la personne ou les personnes qui ont travaillé sur telle affaire. Hein, au lieu de s'attaquer sur la preuve, ils vont s'attaquer sur les personnes. Puis, c'est vous connaissez là, les fake news et sur Internet, ça en est plein de ça. Les vrais sceptiques examinent soigneusement les théories et les preuves. Les pseudo-sceptiques ignorent les preuves ou font de fausses déclarations qui ne correspondent pas aux faits. Alors, ça, c'est une autre attitude. C'est vrai dans la vie, je vous dirais, là. C'est pas juste en science, c'est pour ça que j'aimais ça. Je dis, tiens, si les gens, on était tous comme ça, on ne se ferait pas embarquer même avec tout ce qui se passe sur l'Internet. Je pense que ça peut se mettre dans nos vies. Les vrais sceptiques prennent soin de nuancer leurs déclarations, tandis que les pseudo-sceptiques font souvent des déclarations catégoriques et inexactes. Hein, c'est noir ou c'est blanc. Hein, pour eux autres, c'est tout.
où tout est tout noir ou tout blanc, c'est ça, sans fournir de preuves pour étayer leurs affirmations. Ils sont affirmatifs, sont convaincants parce qu'ils sont convaincus, mais c'est de la frime, c'est juste de la forme, c'est de l'apparence pour essayer de convaincre en utilisant un style, mais pas de fond. Les vrais sceptiques se basent sur les preuves, même si elles remettent en cause les théories et les idées établies. Les pseudo-sceptiques ignorent ou rejettent les preuves si elles remettent en question ce qu'ils considèrent comme étant la vérité. Ça, c'est fondamental. C'est typique aussi des humains. On fait tous ça. Quelque chose qui nous contrarie, on a tendance à l'ignorer. Souvent, même pas, on ne retient pas. Hein. On dira non, ça, c'est quasiment de l'automatisme. Un scientifique, par contre, au contraire, il doit s'attarder à ça. C'est bon, c'est vrai, ben, je dois en tenir compte. Alors, le cinquième point, les vrais sceptiques veillent à présenter les informations avec exactitude. Hein, ils essaient d'être le plus précis possible, nuancés, comme on dit avant, alors, avec les nuances, les clarifications. Donc, ça a l'air flou des fois, hein, scientifique, hein, mais c'est souvent que ça. Il faut dire les choses, puis des fois, bon, il peut y avoir des doutes. Donc, c'est des fois, on dit, ah, il n'est pas sûr de son affaire. Au contraire, il est peut-être plus sûr, mais ici, il peut avoir des objections. Mais c'est comme ça, la science. Par contre, si on arrive à le démontrer clairement, bien là, oui, il va être affirmatif. Mais tant qu'on n'était pas, vous voyez un peu la conclusion que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein, en bas, ils disent, oh, eux sont convaincus, mais d'autres veulent le faire. On ne sortira pas le champagne, puis on ne fera pas des super annonces tant que d'autres ne l'auront pas prouvé aussi. Alors, donc, ça prend du temps. Les vrais sceptiques veillent à présenter les informations avec exactitude. Les pseudo-sceptiques émettent souvent des détails importants afin de faire valoir leur point de vue. Évidemment, ils prêchent par omission. Hein. Ils disent quelques vérités, mais il n'y a pas toute la vérité, des fois. Là. Il enlève ce qui est contraire. Et il y a une citation de Carl Sagan, là, que lui, Gary Schwartz, parle de défi de Kepler. Alors, c'est tiré de Carl Sagan. Lorsqu'il, Johannes Kepler, s'est aperçu que ses convictions de longue date ne concordaient pas avec une certaine observation extrêmement précise, il a accepté cette réalité déplaisante. Hein, c'était que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, il a préféré la dure vérité à ses plus chères illusions. Tel est le cœur de la science. Et la dernière petite citation, la science post-matérialiste incite les chercheurs et les profanes à se confronter au défi de Kepler et à mettre en pratique le cœur de la science. Alors, sur ce, je vous laisse sur cette réflexion. Si vous avez d'autres questions concernant peut-être ces livres-là ou certains sujets, ça me fait plaisir d'essayer d'y répondre.